諸君らに話しておくことがある。イエス、俺の父親は。違う。知らねえ。当時我々は目をさサイファーポールのかすか、そして母を、それもそのはず、お前の、それは我々のサウスブルーに、ま、女は我々、そしてお前父親の、それがお前の父親2年前か。お前が母を、我々はよ、だがかつてのら、違う。そう思っ、お前は白、そして放置すれば、だからこそたとえ白。インペルダウンに捕らえる一方、エースは家族よりも高くそびえる処刑台の。まさか湾内海底に影が。おー、モビーディック号が来た。白ひげ、うららららららら、何十年ぶりだ戦国。俺の愛する息子は無事なんだろうな。うららららららららら、ちょっと待ってな、エース。親父！勢力で上回ろうが、勝ちと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。うららららら。久しぶり。なぜ。やっぱりこのおっさんが。小僧。おさん。兄貴を助け。そうだ。相手が。うるせえ。海賊を。くそ。足。俺は俺のやりてえように。Salut à toutes et à tous, c'est Sinon Dark 59 et nous voici aujourd'hui pour la suite de mon Let's Play sur One Piece Piratwire sur la PS3. Donc c'est l'épisode 16 si je me rappelle bien. Et donc cette fois-ci on est parti pour la grande bataille à l'île comment ça s'appelle déjà, merde. Bon, l'île de l'armée là, je sais plus quoi, de la marine. Et donc cette fois-ci c'est la grande bataille pour sauver Ace auparavant de son exécution. Et pour ça vous voyez bien que je suis déjà accompagné de Barbe Blanche, oui. Donc après m'avoir évadé de la prison Temple Dam, bah on arrive ici direct avec ma nouvelle équipe qui est composée de Crocodile, Jinbei, Baggy le Clown et Mr. Tui, sans oublier Imbakov et toute la clique. Ce sont des pirates qui étaient enfermés dans la prison. Hein. Donc si vous voyez que j'avais un niveau plus élevé que sur le dernier stage, c'est un peu normal, hein. J'ai un problème avec mon game capture HD. Je sais pas pourquoi, mais il veut pas que j'enregistre cet épisode. C'est la plusieurs fois que j'essaie de recommencer à chaque fois ma capture, mais à chaque fois elle loupe. Donc c'est un peu le bordel ce truc là en ce moment. Donc la Bo Hancock. Donc ça c'est la petite copine à Luffy. Hein. Je sais où elle est à elle quand même. On fait cette technique là. Et voilà, on tourne comme ça. Hop.
change, on prend Bangkok. Donc elle, elle les met en pierre. Donc elle a le pouvoir de la gorgogne. Non, on va pas le faire. Ça c'est pour taper plus fort. Ça c'est l'énergie. Bangkok. Alors, au prochain coup je pourrais faire sa technique. Je vais faire son gros pouvoir là. Glover Coast, c'est un peu dommage, c'est qu'on voit pas vraiment les autres corsaires, à part Mihawk. On voit pas tous les corsaires dans cette bataille, c'est un peu dommage. Donc là, il vient me dire que j'ai perdu Bo Hancock, donc je peux plus jouer avec, quoi, je peux plus avoir en soutien. Elle est un peu barjo aussi, là, faut bien ce qu'il est. Petit enchaînement de coups, allez. Donc, a priori, il y a Baggy le clown avec moi. Et un tourbillon, voilà. Donc là, il y a Mia qui est arrivé, bon là, faut vite se... pas trop se friter avec parce qu'il est super balèze. Et que son coup d'épée est dévastateur. Énergie, si j'arrive à la prendre, merci. Il faut attendre qu'il move le passage là, mais bon. Ah, il va me le donner. Donc là, c'est des morceaux de corps à Baggy. Ah, j'ai appuyé mais trop tard, putain. Ah ouais, ça y est, là tu vas me casser les couilles maintenant, Mihawk. Le problème c'est qu'on fait tout le temps le même stage depuis que ça bug, depuis que je bug là. C'est que j'ai une grosse galère à toujours tout recommencer. C'est un peu lassant. Surtout que c'est pas un chapitre très intéressant. Quoi, j'ai trouvé que c'était pas un chapitre intéressant. Et donc enfin l'espèce, il faut faire voir tous les stages. Donc je fais tout voir. Non, je voulais mettre derrière la caméra, mais il l'a pas mis derrière, merci. Ah ouais, on voit que dalle. Quand on est proche du mur, c'est pas la peine. Non,
Bon, j'en ai quand même marre avec 200. Non, c'est pas le bon passage. Ah, je suis tombé, c'est tombé dans l'eau, c'est pas le bon passage. Ça, c'est le bon passage. Si je repars à l'envers, ça va pas aller non plus. J'ai beau avoir fait le stage plusieurs fois, je me vois toujours de côté. Comment baiser Baku, c'est avec ça. Je manque que je me rappelle de bouton. Donc là je suis avec Crocodile. Donc voilà, c'était un ancien grand corsaire qu'on a battu à... Ah, je sais même plus comment ça s'appelle, Alabasta, ouais, voilà. Donc là, je viens de les écœurer, mais méchamment. Ah, je prends l'énergie là-bas. Non, c'est pas l'énergie, donc c'est magnifique. Bon, c'est pas grave. Donc là, on repart en arrière. On va voir que le départ en arrière est quand même plus facile que l'aller. Mais là, il y a de l'énergie. Voilà. Donc là, je peux vraiment prendre ce passage-là. Pour repartir là-bas. Donc ça va largement plus vite. Hein. On va dire heureusement. Donc la porte, elle est ouverte. Allez, hop, on passe. Je vais prendre ça, c'est prévu, ça, c'est de l'énergie. Voilà. La sauvegarde, je la prends pas et on continue. Donc on va devoir esquiver des murs. J'espère quand même que vous allez bien, que c'est pas trop la galère, quoi. Ça va pas être trop la galère pendant l'hiver, quoi. Même si ma vidéo sera un peu plus postée un peu plus loin, un peu plus tard que cette période, mais bon. Je prends un peu de l'avance sur mon SP, quoi. J'ai pris de l'avance, quoi. J'ai voulu finir parce que j'avais envie de finir un peu ce jeu-là. Là, j'ai sauté dans l'eau, magnifique. Mais pourquoi il saute dans l'eau là? Allez, caméra pourrie surtout. Oh là 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 là. Faut que j'attends qu'il me met le truc, sinon je peux pas y aller plus vite. Donc ça, faut pas m'en vouloir si je dois attendre un peu. Mais bon, vous savez maintenant, un truc action, c'est ça, hein, c'est faire des petites montées sur des trucs tout pourris. Donc là, faut savoir ses touches. Bon, comme vous savez, je suis pas un grand fan des QTE. Hein. Mais malheureusement pour moi, ce jeu est bourré de QTE. Donc on va aller chercher la pièce là-bas. J'espère franchement que dans le 2 il n'y aura pas autant de QTE. Parce que franchement c'est la folie en ce moment, les jeux QTE, c'est incroyable. Même si c'est pas des QTE méchants, mais bon... Moi, à pas aimer les QTE. Allez, j'ai failli le rater là. Donc ils vont manger mon gros pouvoir, ces gros salauds là. Boum. Donc ça, c'est-à-dire que j'ai bien fait un bon résultat sans mon pouvoir. Je
marche dessus, moi. Bah, c'est un bon jeu, hein, franchement, y a rien à dire. Hein. Ça reprend pas mal de passages, même s'il en manque pas mal. Mais après, ça va corriger dans le dos, tiens, bah, ça c'est pour taper plus fort. Donc là, il va monter son mur de défense. Et ces cinématiques, elles sont très belles, rien à dire. Ouais, c'est très beau. Donc voilà, Kainu, l'homme Wangba. Du coup, je vais vous dire que c'est le dernier boss du jeu, mais bien casse-couille. Donc là vous allez voir qu'avec la glace et le feu ça va faire un beau mélange de bien casse-couille aussi. Ouais ouais t'inquiète j'ai compris, faut prendre le bloc de glace. Même vous allez vite comprendre que c'est un peu de la merdasse mais bon. C'est tant que vous faites ça, que tu reprends un, que tu te remets là et que tu jettes là. Voilà, il va te remettre du feu dans la tronche, donc c'est un peu débile. Donc faut mieux aller en courant comme un gros barbare. Ah ouais, je vais aller là, mais tant qu'il me fait voir. Hein. Vous avez vu que la technique c'est plus facile, hein, c'est de foncer comme un gros crevin. Allez, allez vous jouer. J'ai quand même bientôt fait 300 kills. Ce qui est pas très... qui est pas trop mal. Pour un épisode dénommé action, ouais plutôt action ouais. Non, vous savez que eux, quand ils disent action c'est plus de la plateforme que de l'action mais bon. Faire un peu de ménage parce que ils vont bien casser les roustons. Un fait, hein, c'est plus qu'à indiquer. Sinon, vous voyez bien que les bonhommes peuvent venir à l'infini. Alors, hein. Donc, là, il m'a capturé avec leur truc. Alors, bada boum, allez tous vous en. Je l'ai pas encore battu lui. Aïe. Pour récupérer le boulet pour avancer plus vite, faut le lâcher surtout. Donc je vais faire ma technique de tout à l'heure, hein. Je vais courir comme un malade. C'est le meilleur moyen pour passer sans vous faire sans vous trop vous prendre la tête. Hein. Là en plus ils mettent de la viande donc c'est magnifique.
commander. On va recroiser Jinbe. Oui, ça va, mon copain. Comme ça, vous pouvez préparer un peu le décor qui est pas très, qui est pas mal du tout. Même si c'est basique hein, pour un jeu, un tel jeu comme ça. Donc après, je vais arriver au boss du stage. On va se taper Aokiji. Donc là, les trois amiraux. Kimemaru, Aokiji et l'autre, Akainu. Moi, j'aime bien lui, il m'a rien de ses têtes. Donc là, petit QTE. Parfait, merci. Donc je vais me battre contre lui, a priori ce sera mon boss. Quoi, a priori, ben, je sais, mais c'est mon boss, quoi, le boss du stage. Et vous allez voir qu'il est très costaud. En mettant des trimances, il est très costaud. Donc la technique du pied comme ça, ça marche très bien sur les boss. La première phase est passée. On va qu'il va me sortir un nouveau pouvoir. Oui, c'est ce pouvoir là. Ok, je viens de taper à côté. Et là, vous voyez que cette caméra est comme ça. Je peux faire un petit bazooka aussi, oui. Ah, il est toujours en train de se barrer là. Allez, casse-toi, prends ça dans ta gueule. C'est ça, je vais réussir à te battre. Vous voyez que là il est très casse-couille hein. Putain, je galère ma race. Rien à dire. La deuxième phase est déjà bien casse-tête. À imaginer pas la troisième. La voici, même la troisième. Maintenant il peut faire un effet de glace.
merde, j'ai raté là. Ah non, je l'ai vu. Je sais pas si je vais réussir à y aller sans mourir. Ça c'est limite, hein, je vous le dis. C'est même très très limite. Voilà, c'est mort, je vous le dis. Même si là je vais peut-être gagner, qui sait, mais il faut que je reste QTE. Même en restant QTE, je pense que je le tuerai même pas. Ah bah si, j'ai une de ces chances incroyable. J'espère que ce 16e épisode sur One Piece Pirates Voyage sur la PS3 vous aura plu. Merci à toutes et à tous de me suivre sur ma chaîne. Salut et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!